Bien, bonjour, bonjour, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, je vous salue depuis vos positions, je suis Armand le Patriote. Aujourd'hui, j'aimerais donc dire quelque chose concernant ce que j'entends, les gens dire un peu d'ici et d'ailleurs. Il y a d'autres même qui m'ont écrit pour dire que non, c'est à cause de cette loi-là que tu ne parles plus de Côte d'Ivoire, patati, patata. Connectez-vous d'abord. Alassane Ouattara lui-même là son mot dit. Moi, il n'aime pas insulter les gens. Hein. Mais pour vous dire même que je m'en fous de tout ce que vous dites là. Je commence par Alassane Ouattara lui-même d'abord, son mot dit. C'est moi qui ai dit ça. Comme ça, ils vont faire la procédure rapidement pour nous extrader. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Vous êtes malade ou quoi encore devant là-bas? Vous pensez que le monde ça vous appartient? Que non, vous là, ils sont en train de faire une loi pour vous extrader. Il y a quelqu'un qui peut moi m'extrader d'ici les États-Unis ou bien. En tout cas, vous pouvez faire ça sur vos bêtisiers de vos pays africains corrompus là. Mais ici là, c'est un pays sérieux. Hein? Voilà. Alors, je dis ici aux gens, je ne vais pas durer dans cette vie parce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler. Vraiment, je dois faire le résumé de tout ça. Et c'est aujourd'hui le dernier jour. Hein? Voilà. Donc, vraiment, c'est pas facile. Donc, je suis en train de lire chaque 4 pages, chaque 5 pages pour avoir une idée, pour faire le résumé. Ils ont tout fait. Le livre n'existe pas en ligne. Hey! Le livre n'existe pas en ligne. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, comme vous êtes un peu là, je vais commencer. Voilà. Alors, quelqu'un m'a écrit pour dire non. Herman le Patriote, je comprends pourquoi ces temps-ci tu ne parles pas trop de la Côte d'Ivoire, parce que sûrement tu es au courant qu'une loi sera votée pour vous rapatrier tous ceux qui critiquent la Côte d'Ivoire. Eh, hey, Seigneur Jésus. Eh, hey, Seigneur Jésus. Même mon direct d'hier, j'ai critiqué les États-Unis d'Amérique. Mon direct d'hier concernant le Niger, ça y est encore là. Voilà, j'ai dit le vrai nom des États-Unis et de l'OTAN. Voilà. Et matin, midi, soir, je dis le vrai nom de Macron. Voilà. Et c'est votre Côte d'Ivoire là dont nous allons avoir peur de parler. Tous ceux qui parlent comme moi là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra être rapatrié. Il n'y en a pas. Tous ceux que vous connaissez là, tous ceux qui parlent comme moi là. Voilà. Votez n'importe quelle loi que vous voulez. Tout ce que vous faites, c'est de ne pas permettre aux gens de rentrer dans leur propre pays. Vous voyez, non? Parce que vous êtes des étrangers et vous avez pris le pouvoir par les armes. Voici ce que vous faites. Et c'est pourquoi les gens sont là-bas, leurs parents meurent, ils ne peuvent pas aller les enterrer. Vous êtes inhumains en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai décidé de ne pas trop parler de la Côte d'Ivoire. Pas à cause du RDR, un peu parce qu'il y a peur de quoi que ce soit. Non. Ce n'est pas à cause du RDR ni quoi que ce soit. Puisque quand je parle même des autres pays, mais j'attaque Dramane Ouattara, j'attaque le RDR. C'est parce que vous ne connaissez pas ma méthode de communication. Mais j'ai décidé de ne plus mettre Côte d'Ivoire comme titre et parler de la Côte d'Ivoire parce que le peuple lui-même est décourageant. C'est le peuple que je plains. Et les politiques tordues. Et les sociétés civiles corrompues qui mangent avec le diable, qui mangent avec les sorceaux. Voilà, les politiques mélangées. Politiques sans queue ni tête, sans objectivité. C'est-à-dire le peuple lui-même, il est abruti. Et le parti au pouvoir a un peuple moutonnier. Et le parti de l'opposition sont des personnes qui ne connaissent pas l'essentiel du combat. Et qui combattent les personnes qui parlent pour leur bien. Donc quand je vois toute cette ambiguïté qui n'a pas de nom, je préfère parler des autres pays. Mais Dramane, lui, je ne lui fais pas cadeau. Même quand je veux comparer un pouvoir, un mauvais pouvoir à un pouvoir de l'AES, c'est le pouvoir de Dramane que j'attaque. Mais il n'est pas le seul mauvais pouvoir. Il y a aussi le pouvoir du Tchad que j'attaque, etc., etc. Voilà. Là, il a attaqué le Tchad ici plusieurs fois. Eux, ils n'ont pas voté loi pour nous extrader, ou bien pour nous faire truc. Vous, là, vous allez voter quelle loi qui va, moi, m'enlever ici, là? Vous, là, vous allez voter quelle loi? Et si citoyen américain, tu vas faire comment? Toi, tu vas venir prendre un citoyen américain parce qu'il critique ton gouvernement. Tu es malade, ils ont pissé dans ta tête ou bien? Ils ont pissé. C'est avec les Macron, peut-être, vous pouvez réussir. Ceux qui sont en France, là. Mais ici, là, vous ne pouvez jamais réussir. Voilà. Parce que sur papier, mais je ne suis pas ivoirien. Actuellement, il vous parle, là, je ne suis même pas ivoirien.
Passeport est périmé, tout est périmé, je ne cherche même plus à renouveler. Je m'en fous même de ça. Tant que Dramane est en Côte d'Ivoire ne me dit rien. Mettez ça très bien dans votre tête. Voilà. Donc si je ne fais pas des vidéos là, sur vous là, c'est parce que vous ne méritez plus que moi je fasse vidéo sur vous. Je voulais vous dire la vérité. Si moi, Herman le patriote, je ne fais plus de vidéos sur la Côte d'Ivoire en tant que telle, ça ne veut pas dire que je n'attaque pas Dramane. Dramane, il faut l'attaquer. Mais pour dire que moi, j'ai fait vidéo sur la Côte d'Ivoire comme je faisais avant, c'est fini ça. Parce que partout, c'est mélangé. Vous êtes un peuple. C'est pourquoi ma dernière vidéo sur la Côte d'Ivoire, je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Des gens qui ne connaissent, qui ne peuvent même pas se battre. Regardez, les Sénégalais ont fait un peu, on les a soutenus un peu, on a fait quelques vidéos. Ils ont fait un peu, Sonko est libéré. Attends, s'il est libéré, ça veut dire qu'il n'est pas condamné. C'est celui qui n'est pas condamné qui est libéré. Donc s'il est libéré, c'est qu'il va aller aux élections, il va enlever Macky Sall. Et le Sénégal va commencer à aller de l'avant. Si lui aussi il est intelligent, il va rentrer dans l'AES. Et le Sénégal avancera. Ils vont tout faire pour chasser tout ce qui est armée française, ou même si ça existe là-bas, ils vont tout enlever. Et puis ils vont rentrer dans l'AES. C'est tout. Voilà. Donc le peuple qui se prenne au sérieux, c'est eux que nous soutenons. C'est pourquoi je ne parle pas trop de vous. Hein. Tu vois, moi, je suis un garçon. Je m'apprête matin, midi, soir. Pourquoi j'ai posté mon âme et puis les gens sont en train de bavarder en bas de mon commentaire? Vous pensez que c'est le seul baou que moi j'ai? Vous comprenez? C'est parce que je ne suis pas prêt pour abandonner ce que je fais, que je m'apprête. Tu t'amuses là. Toi-même, tu as regretté. Toujours, je le dis, les gens, parce que je m'amuse. Et moi, j'aime prévenir. Je suis quelqu'un, j'aime revenir sur les choses. Je préviens très. Mais quand j'agis, c'est fini. Vous comprenez? Donc, si vous voulez voter vos lois à la CON là, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Hier, yeah, j'étais très occupé. J'ai fait des examens et puis j'ai fait plein d'exercices. J'ai fait un petit direct. Aujourd'hui encore, je suis très occupé. C'est pourquoi depuis, je n'ai pas encore lancé de direct. Je vais finir le résumé de ce livre-là. Et puis si j'ai le temps, je vais lancer le direct et je serai ailleurs. Je serai dans l'AES. Vous, je vous laisse avec vos bêtises là. Allez-y avec les... Quand on cite les noms, on dit non, tu aimes citer les noms. Mais on doit citer les noms pour... parce que moi, je n'aime pas ne pas me faire comprendre. Quand je parle, je veux que tu comprennes très bien ce que je veux dire. C'est pourquoi souvent, je cite les noms. Donc, allez-y, regardez vos stars, là. On m'envoie des images pour dire, non, Herman, tu vois, les gens tombent en bas du pont, il faut faire vidéo. Il y a une qui m'envoie une image pour dire, hé, agro-business, là, je n'ai pas reçu mon argent, il faut faire vidéo. C'est pourquoi j'ai dit à la dame, tu vas me donner combien? Tu vas me donner, j'ai fait vidéo, tu vas me donner combien? Quand il partait donner à l'agent d'agro-business, ça y est, moi, t'as donné. Elle, c'était agro-business, même. Elle a parlé de, je sais pas, c'est quelque chose qu'ils ont bloqué, mais quoi, là, son agent. Oh, elle a parlé de quoi, même? Une société qu'on n'a pas payée. Moi, je ne suis pas vos... Allez-y, les voix. Hein. Si toi, tu travailles, qu'on ne te paye pas, si tu ne veux pas parler, là. Il y a vu un gars, j'espère que c'est son compte bancaire en Côte d'Ivoire. On dit sa société a transféré l'argent sur son compte bancaire. Et puis, la banque dit qu'elle n'a pas reçu l'argent. Et puis, lui, il est venu, il a fait vidéo. Comme il est en Côte d'Ivoire, il a mis quelque chose sur son visage, dans sa voiture. En tout cas, j'ai regardé au moins 2 minutes et puis je suis passé. Il n'a pas bien compris le sujet, mais c'était un truc comme ça là. C'est un Ivoirien, il est en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas parler. Il y a des masques, il y a des trucs. Tu peux mettre quelque chose sur toi et puis tu t'exprimes. Mais vous avez peur. Les Djoula vous effraient. Les rebelles d'hier vous effraient. Ils prennent PPLCI ou PLCC, un truc comme ça. Quand tu parles un peu, oh PLCC, ils vont te traquer. Les Ivoiriens ont peur. Mais où on ne met pas? Où on ne met pas? Donc, vous êtes un peuple nul. Vous êtes un peuple qui ne mérite même pas qu'on fasse des vidéos sur vous. Vous êtes un peuple sans scrupules. Voilà. Vous êtes un peuple vraiment, je ne sais même pas comment je vais vous qualifier. Et en plus de cela, vous êtes distrait. Vous êtes dans les musiques bizarres. On dit bébé ça, once de Dalois. On dit telle chose. Même les vrais artistes, vous ne partez pas à leur concert. Vous partez au concert de la boue. Ça, c'est un peuple, ça, là. Ça, c'est un peuple, ça, là. Ça, c'est un peuple, ça, là. Bébé, ça, on se bien quoi, là, même, on dit quoi? Le gars bizarre, là. Lui, il est artiste que Serge Kassi. Mais les Ivoiriens ont ni Serge Kassi ici. Les Ivoiriens sont restés à la maison. Vous avez l'argent pour avoir les iPhone 15. Et c'est pourquoi Johnny Pacheco avait raison lorsqu'il parlait de ça. Combien d'Ivoiriens qui ont des iPhones? Des iPhones avec 3 caméras là. Même les iPhone 12, 11 comme ça là. Combien d'Ivoiriens? Vous êtes plus de 20 millions, vous qui avez ce genre d'iPhone. Mais c'est les téléphones qui sont chers. Et quand on casse vos maisons, c'est vous qui venez pleurer. Mais vous êtes riche. Vous êtes riche. Regardez vos photos. Moi-même, je vis là. Je n'ai pas encore acheté iPhone nouveau. Depuis que je suis venu aux États-Unis. Le seul téléphone que j'ai acheté un seul téléphone nouveau.
Et c'est un ami camerounais même qui m'avait convaincu, même, ah, faut prendre un bon téléphone, tu vas faire. Bah, il y avait un petit téléphone, quoi, en deuxième main. Il dit, non, faut prendre un bon téléphone, tu vas faire tes vidéos, ça sera clair, clair, ça sera propre. C'est là que j'ai pris un petit Samsung S9, S9 Plus. Mais petit Samsung qui vaut rien, là, c'était 700$. Plus les taxes, ça dépassait presque 800$. C'était 730, 740 quelque chose, plus les taxes. Et je n'ai pas aimé. Tout ça, là, c'est le deuxième main. Le deuxième main. Il n'y a même pas puce dedans. Parce que ma puce ne rate pas dedans. Et c'est pourquoi j'achète, parce que c'est moins cher. Puisque ce n'est pas encore, c'est pas débloqué. Donc le gars, il achète. Mais eux, ils achètent, ils font deux mois, un an. Quand il y a un nouveau iPhone qui vient, il finit pas de débloquer. Il fait tout. Il vend et puis il achète nouveau. Mais vous, vous avez des téléphones? C'est vous qui mougoussez toutes les go là. Quelqu'un qui n'a pas réussi, qui a 4 enfants. Et après, on vient dans ton inbox. Quand, et puis, il y a plein de gens de GESCO qui m'ont écrit pour dire non, mais vous, vous êtes malade. Hein? Parce qu'on fait des vidéos, on vous soutient. Vous pensez que nous, on va prendre l'argent dans notre compte pour vous envoyer? Vous, les avares comme ça, les maudits comme ça là. Vous, Ivoiriens, vous donnez l'étoile à quelqu'un? Vous soutenez quelqu'un? À cause de vous, on ne peut pas rentrer dans nos propres pays, dans notre propre pays. On met nos vies en danger. Si moi je n'attaquais pas Draman Ouattara, que j'attaquais tous les présidents sauf Draman, je pourrais rentrer dans mon pays. Mais quand j'attaque Draman, c'est à cause du peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous là, vous soutenez combien? Quand moi je fais vidéo sur la Côte d'Ivoire, là, j'ai déjà gagné même avec 1000, même 10 étoiles, je n'ai jamais gagné. Quand moi je fais vidéo sur vous, même 100 étoiles, je n'ai jamais eu, vous les Ivoiriens. Mais vous êtes partout dans ce monde. Vous êtes ici aux États-Unis, vous avez vos enfants, vous êtes partout en Suisse. Il y a une là. Et puis toi, il ne faut plus m'appeler ton petit frère. Je ne suis pas ton petit frère. Je connais mes grandes soeurs. Je connais ma famille. Voilà. Et puis, il faut laisser le nom de ma région comme ça. Tu as fait. Toujours tu fais ça, je supprime ton commentaire. Tu te reconnais très bien. Tu dis, tu es à Paris. Toi, la dame là. Le jour que tu as fait le même commentaire encore, il va te bloquer. Hein. Il va te bloquer sur toutes mes pages. Parce que tu n'es pas ma grande soeur. Tu ne connais pas. Faut bien mettre ça très bien. Faut soulever ton soutien. Tu as mis ça là-bas. Parce que faut faire attention à moi. Hein. Parce que j'étais très remarqué. Toi, ton profil et puis ta photo est rouge là, c'est de toi et pas, tu vas te reconnaître. Ok, je continue. Donc vous là, vous êtes les plus maudits. Moi, je ne parle pas d'un peuple maudit, vous êtes très méchants. Et je comprends pourquoi les autres là, ont changé de veste. Pourquoi les Johnny Pacheco ont préféré soutenir le diable. Vous pensez que Johnny Pacheco, il aime Draman Ouattara? Vous pensez que Johnny Pacheco, il aime Draman Ouattara? Johnny Pacheco, l'homme qui était prêt à mourir, il n'aime pas Draman Ouattara. Mais peut-être à cause de votre comportement là, il y a quelque chose que vous avez fait qui l'a énervé. Et aujourd'hui, il est prêt avec Draman. Il veut rester à l'usine pour mourir. Et lui-même, il a dit, si Draman n'est plus présent, il ne fait plus vidéo sur quelqu'un, il ne fait plus vidéo sur la Côte d'Ivoire. Il va supprimer sa page Facebook. Il va se concentrer à sa femme blanche. Je constate que, je comprends que ces gens-là, ils ont raison. Les traîtres là, ceux qu'on appelle les traîtres là. Les blés, ils ont raison. Hein? Ça est dans mon cœur. Mais comme c'est politique, je suis au peuple, je suis obligé de l'attaquer. Sinon, ils ont raison. On ne peut pas se tuer pour un tel peuple. Vous faites quoi pour les gens? Gbagbo Laura, ils sont venus le prendre du pouvoir pour l'envoyer à ce pays. Il est venu. Il y a un Ivoirien qui a réclamé sa présidence. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a dit, mais Gbagbo Laura, sa place même, ce n'est même pas à maman. Normalement, un peuple qui est sérieux, vous devez remplir les rues. Mais vous avez peur qu'on vous gaze. Selon les tests de nos pères, c'est Gbagbo qui est toujours président. Puisque Gbagbo, ce n'est pas comme s'il a fait passation. Ou bien comme si c'était en pleine élection. Il avait déjà été investi. Et puis ils sont venus le Syrie. Ils n'ont pas fait une procédure pour le destituer. Au moins, si on le faisait une procédure judiciaire ou bien, je ne sais pas, cour suprême, et puis on le destitue d'abord avant de l'envoyer à la CPI, on peut comprendre. Mais on le prend, on l'envoie à Korogo, on le maltraite. Lui-même, il a dit, c'est la CPI. Il dit, en plus des séquelles que j'avais, j'ai reçu de nouvelles séquelles parce que je ne pouvais même pas voir le temps, la notion du temps. C'est lorsqu'il pleuvait sur le toit que je sais qu'il pleut. Je suis assis sur une chaise. Je ne peux même pas voir la lumière du jour. Ils ont maltraité le vieux. Mais Ivoirien a parlé. Ivoirien n'a pas parlé. C'est pourquoi il est là. Moi-même, le fait même qu'il s'est déclaré même candidat, même ça m'énerve même. Wallahi. Parce que les Ivoiriens devaient se battre pour que son nom soit sur la liste. Mais quel Ivoirien qui est sorti? Aucun Ivoirien n'est sorti. Ils ont peur de sortir. Quand Gbagbo Laura se battait auprès de sa ville, il sortait, non? Si aujourd'hui il a pris de l'âge, il a besoin de vous. C'est pourquoi moi j'ai abandonné tout ça là. Faites vos bêtises là. Je ne suis plus dedans. Voilà. J'ai soutenu le Burkina, le Mali et le Niger. C'est des peuples sérieux ça. Les Tchads, les Sénégalais. On va pousser le bouchon. Vous n'êtes pas le seul pays d'Afrique. Vous n'êtes pas le seul peuple d'Afrique. Vous êtes méchants. Vous êtes sorciers comme ça. Quand tu fais quelque chose net, ils sont là comme ça. Ils ont des hiboux.
Même j'ai posté ma coach, ma voiture. Ça énerve les gens. Et tous ceux qui ont commenté en mal sont des Ivoiriens. Je suis allé sur leur profil pour vérifier. Tous mes frères burkinabés, maliens, guinéens, sénégalais, tous les autres là, ils ont bien commenté. Ah, mon frère, c'est tata. Mais les autres là, ah, tu dis, tu as étudié, puis tu as ça. C'est-à-dire des commentaires tordus, jalousie comme ça. Mais si dans votre Côte d'Ivoire des dramas là, si vous ne pouvez pas acheter une voiture quand vous êtes étudiant, ici tu peux être étudiant puis acheter une voiture. Voiture, ça coûte combien? Même mon vélo électrique là, c'est plus cher que certaines voitures. Mon vélo électrique là, qui est 2 300 $ là, il y a des voitures qui coûtent 800 $, 1 000 $, 1 500 $, tu es dans voiture. Tu as compris ou pas? Il y a les voitures de 2 000 $ et qui sont encore en forme même. Moi-même, ma première voiture, ma première Toyota là, c'était 3 000, j'ai eu ça. Même c'était plus cher puisque c'était Toyota. Sinon, les voitures moins chères. Vous n'avez pas dit que Draman Ouattara, c'est brave, cher. Pourquoi sous Draman Ouattara, vous ne pouvez pas acheter moto? Et ceux qui font la livraison, on les tue matin, midi, soir. Un pays maudit comme ça, là. Et moi, je le dis, et puis je le pense. Je regrette même d'être Ivoirien. Votre Ivoirien actuel, là. L'Ivoirien d'actuel, là, moi, il regrette d'être Ivoirien. Je ne sais pas qu'Ivoirien était comme ça. Moi, il est passé. Il y a un jeune au quartier. C'est un autre quartier, l'autre côté. Il y a un jeune, il est là, il veut m'intimider. J'ai fait mon truc, et puis je suis en train de causer avec un gars, on criait, puis, quitte ici. Quitte ici. En même temps, il a freiné, il a déposé mon vélo de côté. Puis je lui ai dit, what are you talking about? Oh, faut quitter ici, faut quitter. Il a dit, mais la route là, c'est pour ton papa. Non, mais c'est pour ta maman. Et le monsieur a sorti, dit, ah, je suis son papa. Il a dit, mais je m'en fous, c'est à lui que je pose la question. Est-ce que cette route-là, c'est pour son papa? C'est pour vous, son père-là, c'est pour vous la route? Le monsieur dit, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour son père. Il dit, faut conseiller à ton fils. Il faut lui conseiller. Voilà. Ils sont bavardés, ils ont appelé la police. Moi-même. 3 voitures, ils sont venus. J'ai dit, mais moi, je suis en train de passer. Et j'ai une fille que je reconnais ici. On a causé un peu. On me dit de quitter la route. Les policiers sont venus, non, vraiment, tu as raison. Bon, faut laisser tomber. Bah, on savait qu'il y avait raison. N'ayez pas peur. Un peuple qui a peur, c'est quoi? Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Draman Ouattara, c'est un être humain. Est-ce qu'il peut vivre 30 ans? Est-ce qu'il peut vivre 40 ans, 50 ans? C'est fini. S'il a trop vécu, c'est 20 ans ou 10 ans. Et puis, il va mourir demain. Comme tous les autres êtres humains. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Quand on fait quelque chose, vous voulez embrouiller les gens. Non, ils ont voté loi, ils vont vous rapatrier. Vous mettez sorcellerie dans politique, dans parti politique, vous mélangez tout. Il y a d'autres qui viennent nous écrire parce que c'est des sorciers. C'est ce qu'ils souhaitent. Il y a une fille, elle s'appelle Amouin. J'ai pris le temps de la bloquer sur toutes mes plateformes dont je peux retrouver son profil. Venez, je vous la montrer. Je vais vous la montrer et puis je vais vous dire ce qu'elle a dit comme commentaire. Ou comment je peux... Attendez. Je l'ai bloqué partout, donc je peux la retrouver. Elle s'appelle Amouin quelque chose. Une jeune fille, hein. Mais aigre va la tuer, une fille ivoirienne. Elle dit, toi là, le jour on t'attrape là, de la manne. Elle a dit quand même, genre de la manne, vraiment, vous êtes trop maudits quoi. Non, chers Ivoiriens, vous êtes maudits même. Et vous êtes méchants. Et vous êtes mauvais. Et vous êtes peureux. Vous avez tout ce qui est négatif. C'est pourquoi Dieu vous a donné un président négatif. Il va vous mater. Nous qui parlons, et puis vous nous narguez là, avec vos commandés à la con là. Nous, on ne vit pas là-bas. Hein? Nous, on ne vit pas là-bas. Vous connaissez l'Anque Petit Lagagne, Soulé de Paris. Ou bien, deuxième Soulé. Il y a Soulé GPS et puis il y a Soulé PPACI. Les deux Soulé là, vous savez que l'Anque, il gagne. Dans le fait de ça là seulement. Vous connaissez ce qu'il gagne. Restez là seulement, hein, dormez. Vos mots diaploco placapeur. C'est vous qui venez narguer les gens. Restez là seulement. Attendez, il a montré la dame que je voulais montrer là. Comme ça. Où ça est même? Vous m'énervez même, vous les Ivoiriens. Voilà. Désabonnez-vous sur ma page. Tous les Ivoiriens, désabonnez-vous sur ma page. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous. Quittez ma page. Moi, je ne suis pas comme les autres là. Hein? Je ne suis pas comme les autres qui. Non. Moi, c'est différent. Je dis ce que je pense, puis je m'en fous de quelqu'un. Désabonnez-vous sur ma page. Vous allez voir, les autres vont s'abonner. Est-ce que dans mes 140 000 abonnés là, s'il y a trop, c'est 10 000 Ivoiriens. Dans les 140 000, s'il y a trop, c'est 10 000 Ivoiriens. Mais il y a plus de 10 000 qui viennent sur mon profil pour regarder. Mais ils ne veulent pas s'abonner. Les sorcelleries. Vous êtes des sorciers, des maudits. Remplis de jalousie et d'aigreur. Tu fais quelque chose net, boum, c'est eux qui commentent à mal.
Tu parles un peu les pou. C'est eux qui donnent toutes les mauvaises choses. Attends, où est cette dame là même? Je vais vous la montrer, vous allez voir. N'importe quoi. Vos maudits à vous tous autant que vous êtes. Où elle est même? Un peu bizarre comme ça là. N'importe quoi. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ils n'ont pas encore fini avec vous. Ils vont prendre 4 mandats là. Faites vos bêtises là. Ils vont prendre 4 mandats là. La voici ici. Mais je vais pas la débloquer. Comment est-ce que je vais que je la bloque sur tous mes comptes au fait. Voilà. Mais je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Voilà. La voici ici. Oh. Voilà. Vous voyez non? Celle-là. Vous voyez celle-là? À moins Lucie Conan. À moins Lucie Conan. On ne peut pas bien voir son visage. J'ai zoomé pour voir. Comme c'est petit. Voilà, voilà ça ici. C'est une jeune petite fille, hein. Mais j'ai pas envie de la débloquer. C'est pourquoi, pour aller sur son profil, il faut que je la débloque. Il faut que je la débloque pour aller sur son profil. Une maudite même. Ça dit, hey, je ne sais pas si elle me connaît personnellement. Jalousie va la tuer. Ça dit, elle veut même qu'on tisse sur moi, qu'on me tue. Ça dit, commentaire qu'elle a fait là. Moi, je me suis les pieds, je dis, hé! Hey! Elle ne me dit rien pour dire, bon, peut-être qu'elle était folle et puis j'ai mis foutaise sur elle. Donc, elle me hait. Mais j'ai lu le commentaire là, j'ai dit, hé! Hey! Parce que peut-être un jour, il a parlé de Tidam Tiam, elle est baoulée, elle me hait. On ne peut pas faire commenter comme ça sur son frère. Non, le jour, on va t'attraper en Côte d'Ivoire là. De la manière, je serai contente. On peut haïr quelqu'un comme ça. Même moi-même, je ne déteste pas Draman comme ça. De la manière que vous détestez vos frères et soeurs qui ont voyagé là. Moi, je ne déteste pas Draman comme ça. Même Soro Guillaume, je ne le déteste pas comme ça. Chi! Non, mais vous êtes trop jaloux. Non, vous les Ivoiriens, vous êtes trop jaloux. Vous êtes trop mauvais. Vous êtes trop méchants. C'est à cause de ça, l'Afrique n'avance pas. C'est à cause de ça, l'Afrique n'avance pas. On est en vie, non? Vous allez voir ce que Draman va vous montrer. Il n'a pas encore fini avec vous. Moi, là, vos bêtises de politique, vous faites là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein? Quelqu'un peut arriver Draman au pouvoir? Quelqu'un peut arriver Draman? Allez-y l'enlever au pouvoir. Il est là, non? Moi, ce qui est bon, c'est que le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. 2025 n'est pas loin. On va voir. Allez-y l'enlever au pouvoir. Allez-y l'enlever au pouvoir. C'est insurrection populaire qui peut enlever lui là. Insurrection populaire, c'est ça qui peut enlever lui là. C'est pas vos bêtises là. Il est là, non? Vous pensez que ce sont les morts qui ont quitté le pouvoir là? Des gens qui ont tué plus de combien? Plus de 100 000 personnes pour venir au pouvoir. Vous pensez que c'est pour faire 15 ans seulement? Restez là, vous allez regarder. Restez là et puis regardez seulement. Quand on vous dit la vérité, vous pensez que c'est faux. C'est quand il vient dire, hé, hey, venez, c'est fini pour Draman. Draman ne va plus faire une semaine au pouvoir. Draman, c'est fini pour lui. Il ne fera plus une semaine au pouvoir. C'est ça que vous allez venir vous abonner. Brrr. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Il vous dit la vérité. Je ne suis pas dans l'affaire de dire, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Ouah, le peuple a chassé levé. Le peuple temps s'est levé. C'est fini pour lui. Et on se réveille, il est toujours président. D'autres viennent faire des communiqués pour dissoudre. Demain, on se réveille, il est toujours président. Vous pensez que moi, je suis dans vos bêtises là? N'importe quoi. Qu'on appelait quelqu'un ivoirien. Quittez ma page. Quittez ma page. Tous les Ivoiriens, quittez ma page. Voilà. Quittez ma page. Hein, vous, on gagne quelque chose? On ne gagne pas vue, on ne gagne pas abonné, on ne gagne pas like, on ne gagne rien. On ne gagne pas combat, on ne gagne rien avec vous. On ne gagne pas étoile, rien. Ça dit, vous, la compte. Ça dit, quand on parle de vous, c'est comme si tu te maudis. Ça dit, parler de la Côte d'Ivoire, tu te maudis. Moi, je l'ai compris. Vous pensez que moi, je suis comme les autres là? Parler de la Côte d'Ivoire, c'est se maudit lui-même. Hein, vous, on gagne quoi? Hein, vous, voilà, voilà, ça, voilà, vous avez combien? Et puis, regardez le nombre de partages. 3 partages. Hein, vous, on gagne quoi? Vous, parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité? Les gens qui vous disent la vérité ne sont jamais suivis. N'importe quoi. Un peuple rêveur comme ça là. Un peuple d'église. C'est vous seulement Dieu aime. C'est l'église que vous avez utilisé. Puis ils ont dit hier, ils vont tuer l'Éternel des armées. Et puis c'est pas allé quelque part. Un peu seulement l'Éternel. Un peu seulement l'Éternel. L'Éternel là, c'est pour vous seul. L'Éternel là, c'est pour vous seul. N'importe quoi. Vous êtes des familettes. Vous vous cachez derrière des religions. Et ils ont pris une religion pour faire rébellion.
n'importe quoi. C'est un peuple qu'elle a là. Ça, c'est un peuple qu'elle a. Ça, c'est un pays. Un peuple maudit comme ça. Un pays maudit comme ça là. C'est pourquoi Dieu vous donne un président qu'il bénit de la malédiction. Il le bénit de la malédiction. Et puis, il ne va pas mourir de suite. Il est là. Il va vous mater. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Il ne va pas vous laisser d'ici peu. Il va vous mater et vous allez voir ce qu'il y a dedans. N'importe quoi. Voilà un mendiant ici encore. Voilà un mendiant. Venez voir. Venez voir. Un mendiant comme ça. Regardez. 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 Regardez-lui là. Regardez-lui là. J'ai vraiment un sérieux problème. S'il te plaît, comment tu peux venir en aide? C'est les testicules de ton grand-père. Il n'y a pas pour te venir en aide. N'importe quoi. Quand eux, ils t'écrivent net, c'est pour demander l'argent. On est, c'est eux seuls qui sont pauvres. Vous n'avez pas dit que vous êtes plus riches que les Burkinabés? Vous n'avez pas dit que vous êtes plus riches que les Maliens? Et que c'est des pays poussiéreux? Et que le Niger, il n'y a rien là-bas? Pourquoi toujours c'est vous qui mendiez les... Tu me connais où? Tu t'appelles Zézé? Moi, je ne m'appelle pas Zézé. On ne se connaît pas? Moi, il n'ai pas une famille. Ma propre petite soeur, la seule fille de ma mère, elle est malade. Elle est très malade. Je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Je vais vendre certaines choses à un mec qui me dit, ne faut pas faire ça. Et puis toi, elle laissé ça. Puis c'est toi, Zézé, que je ne connais pas, ni Dada, ni Dev. C'est toi, elle est venue dire, comment tu peux m'aider? Je vais t'aider en te disant, ton maudit, c'est comme ça, je vais t'aider. Ta mère compte me mettre dessus. Gardez-moi les gens comme ça. Quand ils t'écrivent net, c'est pour demander l'argent. Quand ils t'écrivent net, c'est pour te donner des problèmes. Attends, Draman est là-bas. Draman dit, vous donne 1 milliard par jour. Vous ne pouvez pas réclamer les 1 milliard? C'est un homme qui est en train de faire les résumés de livres. Un homme qui est en train de se casser les couilles pour avoir un petit diplôme. C'est lui que vous venez fatiguer pendant qu'il ne travaille pas. Vous êtes sérieux là? N'importe quoi. Va demander à bébé 111 demain. Il va te donner l'argent. Makoso est mort. Ou bien Louise Makoso est mort. C'est pas eux que vous donnez des vues. Ah, Poutou est là, non? Allez-y là demander l'argent. C'est moi que vous demandez. Vous venez. Je vous ai dit que je suis riche. N'importe quoi. Un peuple, je ne sais même pas comment on va vous qualifier. Vous n'avez pas remarqué, je ne fais plus de vidéos sur vous. Hein. C'est fini. Quel que soit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je ferme mes yeux. S'il n'y a pas de vidéos, de toute façon, je ne vis pas de YouTube et de Facebook. Voilà, je suis un garçon. Je préfère avoir un franc que de me morfondre, puis faire semblant. Oh, coup du coup, c'est fini pour Draman. Oh, faut faire des calculs bizarres. Je m'en fous de ça. Sorogion m'énerve, j'ai dit Sorogion m'énerve. Si tu es soroïste, il ne faut pas venir sur ma page. Voilà. Blé goudé zaï, il dit blé goudé tu zaï. Tu es cogep, faut plus venir sur ma page. C'est comme ça que je suis. MCG m'énerve, il dit MCG, tu m'énerves Simone. Tu m'énerves, tu fais pas politique. Tu m'énerves. Si tu aimes Simone, il faut plus venir sur ma page. On n'est pas né pour se faire aimer. Hein. On est né pour être garçon ou femme. Voilà. On assume ses choix. Je suis pas dans les vidéos contrôlées, des vidéos de calcul. Et puis c'est une seule personne en combat. Draman Ouattara. Et eux-mêmes, ils savent que personne ne peut l'enlever. Mais ils font quand même pour avoir des vues, pour avoir monétisation. Pour avoir des vues et des monétisations. Moi, je ne suis pas dedans. Je dis ce que je pense. Voilà. Peu importe ce que ça va me coûter. Je dis toujours ce que je pense. C'est un garçon. Familette comme ça, là. Regardez tous les cyberactivistes. Ils sont tous corrompus. Tous les hommes politiques sont tous corrompus. Tout est mélangé. N'importe quoi. Quand on va te rappeler un décret, c'est pourquoi tu ne fais pas vidéo. C'est sur moi que tu comptes pour faire vidéo. Avant de venir faire vidéo, là, il t'a demandé. Vous êtes des incapables. Vous souffrez et puis vous ne faites rien dans la souffrance. Et puis c'est ceux qui ne souffrent pas là qui doivent souffrir pour vous. Vous êtes sérieux là? Moi, je ne souffre pas de votre souffrance. Hein. On n'est pas dans la même situation. Ton président s'appelle Draman Ouattara, le voltaïque. Et moi, mon président s'appelle Joe Biden, l'américain. Voilà les vraies situations. Hein. Maintenant, je suis d'origine ivoirienne. C'est tout. D'origine ivoirienne. C'est pourquoi souvent je parle de vous là. Sinon, on n'est pas dans la même situation. On ne consomme même pas la même monnaie. Vous consommez une monnaie coloniale. Il y a combien d'ivoiriens qui parlent du franc CFA ou qui parlent contre le franc CFA? Il y a combien d'ivoiriens qui parle du franc CFA ou qui parle contre le franc CFA? Vous êtes combien? On met ça aussi à cette Draman Ouattara. C'est lui qui imprime l'argent là. N'importe quoi.
Voilà Sonko qui fait sa conférence ici. Voilà, 18 000 abonnés. Voilà, le Sénégal avance un peu. Sonko, 18 000 personnes en ligne. Il fait sa conférence. Un peu, le Sénégal va s'élever. Restez là seulement. Quand tu parles un peu de Tidiane Thiam, peut-être que celle qui a fait le commentaire qui veut qu'on me tue, qu'on m'attrape là. À moins Lucie ou bien quoi, elle a des vieux noms de 1955. Elle a, c'est une petite fille. J'ai pris le lien, j'ai checké, je suis tombé sur toutes ces informations. Il y a des sites ici là où tu peux mettre les noms là pour voir tout, même quel que soit dans le monde. C'est un site affilié à la CIA. J'ai tout vu, je sais où elle est, je sais qui elle est. Je connais ses parents, tout, j'ai tout vu. Et puis je l'ai mis de côté. Elle seulement là, je l'ai mise de côté. Un jour, elle me voit en face d'elle comme ça. Giflé, elle fait dans le visage. Là. Si elle a quitté là, elle n'a plus haï quelqu'un de la sorte. Vous haïssez les gens à cause de leur conviction. Chacun peut avoir sa conviction. Ou bien peut-être parce que j'ai parlé de Thiam. C'est pas Thiam qui est parti voir à la veille. Dès que Gbagbo a dit qu'il est candidat, Thiam a raconté Draman Ouattara. Et on vous blague pour dire non que c'est pour les obsèques de Bédier. Quel obsèque de Bédier? Pour faire obsèque de Bédier, là, il faut que Thiam et puis Draman se racontent d'abord. Vous êtes sérieux là? Des partis qui sont opposés. Parce que l'autre est de PDCI, c'est faux. Si Draman veut croiser quelqu'un, il va croiser la femme de Bédier et les parents de Bédier. Thiam n'est pas parent de Bédier. Thiam là, c'est un Sénégalais. Il n'est pas parent de Bédier. Pour enterrer Bédier, là, il faut aller voir Thiam. Bédier s'appelle Conan. Lui, il s'appelle Thiam. C'est la même chose. Vous êtes sérieux là? Si on doit enterrer Bédier pour parler de ses obsèques, on appelle sa femme Henriette. On appelle ses parents biologiques. Et puis on parle de ça. Ils sont partis se voir là, mais c'est pour parler de contre Gbagbo. Comment ils vont faire pour mettre Gbagbo à terre? De la manière qu'ils ont fait hier avec Bédier pour mettre Gbagbo à terre là. C'est ça, ils sont partis voir. Ah, s'il fait sortir les gens, il faut parler comme ça. Vous pensez que nous, on est bêtes, on boit l'eau par notre narine? Vous pensez que la nourriture que vous mangez qui vous rend bête en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous on mange ici? Nous, on réfléchit bien. Moi, j'ai compris dedans, mais il n'a pas voulu parler. Dès que Gbagbo a dit le samedi qu'il est candidat, lundi, ils se sont vus. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous voyez, c'est pourquoi ils vont partir parler de cadavres que eux-mêmes ils ont mis down. Ils vont parler de cadavres de Bédier. Ils sont allés programmer les choses. Ah, mon frère, toi-même, tu connais ceux-là. S'ils viennent là, toi-même, ils t'ont mis dans le. Toi-même, là, tu es comme moi. On te traite d'étranger. On dit que tu es Sénégalais. Moi, c'est comme ça, on m'a fatigué. Si tu veux arriver quelque part là, il ne faut jamais permettre à ce bêté-là de revenir au pouvoir. Ces sudistes-là, c'est des démons. S'ils viennent au pouvoir, ils vont se venger sur nous. Même toi-même, ils ne vont pas t'épargner. Donc, on a les mêmes situations. Au cas où il fait soulèvement populaire, il faut appeler tous les baoulés, tout le PDCI, pour ne pas les suivre dans le soulèvement populaire. Parce que vous êtes l'ethnie la plus grande en Côte d'Ivoire. Donc, combattons-les. Si nous, on passe là, moi, il peut te récompenser. Tu peux être premier ministre. Tu peux être. Ils ont parlé. Comment mettre Gbagbo dedans? Vous pensez que Thiam, qui est là, lui, il profite à Gbagbo Laurent? C'est vous qui n'avez rien compris. C'est vous qui n'avez rien compris. N'importe quoi. Le même là qui est en train de me donner son WhatsApp ici, son numéro ici, pour que je puisse faire wave. C'est au vaudou je vais t'envoyer, c'est pas wave. C'est au vaudou. Il a fait et puis t'envoyer dans ton compte là. Maudit là. Chers camarades, voilà ce que j'avais. Quand il fait, voilà la vidéo que j'avais à faire sur vous, les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Voilà votre vidéo. Ça c'est votre vidéo. Prenez ça comme ça, bon cœur. Moi je ne supprime pas ça là-dedans. Ça va rester. Il met sur YouTube et puis ça sera archivé. Tous mes propos seront archivés. Et je vais voir par rapport à ça. Il y a ce que vous avez fait par rapport à ça. Vous n'allez rien faire. Vous n'êtes même pas un peuple qui étonne. Un peuple qui étonne. Vous êtes là, vous dormez, vous mougoussez, vous mangez porc au fou. Vous êtes dans les lotos, dans les jeux hasard. It's one bet. Vous regardez les comédies à travers et de travers. Vous riez de tout, bête. Ça, c'est un peuple qui est là. Ça, c'est un peu là. Mais je suis en train de faire un peu pour avoir mon truc burkinabé. Hein. Un bon matériel, vous montrer ça. Si moi, j'ai pris ma nationalité burkinabé, là, je ne vais plus jamais renouveler. Je n'ai même pas cherché à devenir ivoirien jusqu'à y mourir. Parce que j'ai besoin d'une terre où je peux aller acheter une maison, où je peux aller investir. Si demain, je veux rentrer en Afrique. Et le Burkina, actuellement, est en tête de liste. Après le Niger et puis le Mali, pour l'instant. Donc, je n'ai même pas besoin de venir dans votre pays. Là. Voilà, je mets mon terre là où je suis mort. C'est ce que je dirais à ma famille et à mes enfants. Si elle meurt ici, c'est ici, on m'enterre. Si elle meurt en Afrique, c'est en Afrique, on m'enterre. Là où je suis, moi, là, c'est là, on m'enterre. Je m'en fous de ce qu'on appelle terre de nos pères. Vous avez souillé les terres de nos pères. Vous avez vendu le pays. Philippe Mangou, c'est un Ivoirien. Il a trahi la Côte d'Ivoire. Vous n'en parlez pas.
Solo Guillaume, c'est un Ivoirien, il a trahi la Côte d'Ivoire. Quand on l'attaque net, oh, tu es encore dans ça là. Oh, tu as la haine. Vous êtes divisé. Toi, tu penses que qui peut enlever Dramane au pouvoir, c'est pas soulever un populaire. Soro veut faire quelque chose. Il est venu dans l'AES. Vous avez gueulé ici. Oh, Soro a fait peur à Dramane. Soro fait peur à Dramane. Soro est venu à l'AES. Il a fait quoi? L'année est finie. 2023 est finie. Il n'a rien fait. Voilà. Mars est déjà fini. On est dans 4 mois. 2024 est en train de finir. Il ne fait rien. Et il ne pourra rien faire parce qu'il n'a rien dans le cul. Tous les cyberactivistes, tout le monde, pro Gbagbo, pro GPS, pro. Tout le monde a soutenu Soro, sauf moi seul. Je suis le seul cyberactiviste. Je vous ai dit, Soro, là, oubliez-le. C'est moi qui vous ai dit ça. Tout le monde est venu m'insulter. Vous m'avez insulté jusqu'à là. Ça fait combien de temps qu'il est dans Sahel? Ça fait presque demi-année. Parce qu'on est déjà dans 4 mois. Il est venu, il passe c'est en novembre, octobre, l'année dernière. Ça fait presque 6 mois qu'il est là. Un an divisé par deux, il est là. Il a fait quoi? Dramane est au Niger. Dramane n'est pas au Niger. S'il voulait coordonner, il peut coordonner quelque chose. Il ne peut rien faire. Tout est bouclé. C'est de ça qu'il s'agit. Un peureux comme ça, là, il est fort lorsqu'il a Kalash dans son dos. C'est ça, on dit quelqu'un qui peut faire quelque chose pour le pays. Attendez-le. Vous avez souillé le pays. Vous avez gâté, vous avez vendu. Les Kassaretos ont trahi leur nation. Le doyen de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, Otan Gbagbo, il a trahi, il est mort dans la traîtrise. Il est mort en tant qu'un traître. Son nom est dans la poubelle de l'histoire. Vous n'en parlez pas. Philippe Mangou, il est encore vivant. Chef d'état-major de notre pays. Il a trahi sa nation. Il a trahi ses quatre étoiles. Vous n'en parlez pas. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Il sait très bien que Dramane Ouattara, ce qu'il fait là, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. À cause de l'argent. Il est où aujourd'hui? Il est mort. Sable Blé, c'est un Ivoirien. Il est mort. Amadou Gon Koulibaly, c'est un Ivoirien. Ils ont soutenu les rebelles pour nous tuer, pour tuer nos parents, pour brûler nos frères vifs dans les rues. Parce que les gens défendaient leur patrie. Vous n'en parlez pas? Quand on en parle, oh, tu remues le couteau dans la plaie. Oh, tu fais gnang, 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 gnang. Maintenant, la plaie, là, je vous laisse. Maintenant, je peux remuer le couteau. Vous fatiguez les gens. Pensez qu'on en est seulement pour vous? Mais c'est vous seul qui êtes africain. Les Burkinabés sont des Africains aussi. Les Maliens sont des Africains aussi. Les Nigériens sont des Africains aussi. On va les défendre. On va en parler d'eux. N'importe quoi. Oubliez-moi, hein. Vous les Ivoiriens, là, oubliez-moi. Je ne suis plus dans vos bêtises, là. Mais j'attaquerai toujours Dramane Ouattara. Parce que c'est un président africain. Tu fais plus le combat de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, son parti politique là, c'est parti des peuples chinois. Son parti politique là, la définition c'est quoi? C'est pas parti des peuples africains. Quand il parle du Niger, du Tchad, du Burkina et du Mali là, c'est pas Afrique. Le parti s'appelle parti des peuples africains. Donc je parle pour le peuple africain. Quand tu fais plus combat de Gbagbo Laurent, combat de Gbagbo Laurent c'est quoi? C'est de parler de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. N'importe quoi.